Hello, hello et bienvenue dans Vlog à Ibiza. Vlog en Espagne aussi. Hein. Ouais, vlog à Rome. Pourquoi à Rome? Parce qu'après on va à Rome. Ah non, mais en Espagne, parce que c'est en Espagne. Ah oui. Et oui, on retourne à Ibiza, ça fait 2 ans, on avait été à Ibiza. En fait, c'est très bizarre parce que tout ça, on l'a déjà dit à la caméra, mais ça enregistrait pas. Et en fait, faut que je vous l'avoue, quoi, parce que je vous en ouais, tu voulais pas refaire les mêmes blagues sans rien dire. J'arrive pas. Ouais, on était allé à Ibiza et c'était la première fois qu'on vloguait avec le gros réflexe là. Et vu que personne vloguait encore en France, on avait tellement l'âge qu'on incluait des tags dedans. Ouais, et des petits hauts, les petits. Ça ne dérangeait pas de vloguer assise. Ouais. Enfin, il y avait plein de trucs bizarres qu'aujourd'hui c'est plus du tout la même. Ouais. Ah merci. Et donc aujourd'hui on repart pour 3 jours à Ibiza. Oui. Là c'est lundi donc ce vlog vous le verrez tout. Enfin demain quoi. Demain. Direct. Et demain on y va en fait parce qu'il y a l'UE Mega Boom Party. C'est. On sait pas trop ce que c'est en fait. En fait c'est une journée de tu t'enjailles. Ouais, tu fais la fête sur des bateaux, tu vas à Formentera. D'ailleurs pour celles qui avaient vu Vlog à Ibiza, vous savez qu'on avait loupé le bateau pour aller à Formentera qui est une autre île à côté d'Ibiza. Et là, du coup on n'avait pas pu, on était vraiment deg. Et là c'est comme si c'était un cadeau un peu tu vois. Ouais. Tiens t'as pas pu il y a 2 ans, bah tiens. Parce qu'apparemment c'est vraiment magnifique. Hein. Ça a l'air oufissime, j'ai trop hâte. Et donc c'est avec Ultimate Ears, enfin de toute façon on vous en parle. C'est une marque qui fait des écouteurs, des espèces de headphones. Des enceintes quoi. Et du coup c'est pour ça qu'on l'a fait quoi. Cliché. Et voilà où on a atterri. Enfin on n'est pas encore parti. Hein. Attends, je l'ai pas encore goûté, t'as goûté toi? Ouais, il est très fort. Vlog les filles derrière, je crois que c'est des abonnés. Vlog les Il faut savoir que le Starbucks à Lyon il est que avant qu'on fasse la sécurité. Security. Ouais. Alors on sait pas encore si on. Heureusement qu'il y a eu des filles qui ont parlé par inadvertance. Ouais, on a écouté les gens parler. Ouh la tricheuse. T'es sereine là, t'as pas de liquide? J'ai pas de liquide, j'ai pas d'armes. Tu m'as suivi. Bon. Il y en a plein en fait. C'est le suspense de savoir si tu vas pouvoir te mettre là ou si tu vas devoir revenir là. Je pense qu'il est plein. Elle a dit finalizado, abordaje finalizado. Mais il a pas l'air finalizado pour un sou. Vous savez ce que ça veut dire ça? On peut garder les places et que vous pouvez avoir un joli décollage. Oui, c'est ça, c'est la tradition. J'ai pas pu en Belgique. Non, pourquoi t'as pas pu? Parce qu'elle allait, j'y ai pas pensé et parce que je fais un petit snap. Ah, celui qui nous demande notre Snapchat, c'est Caroline-du-bas-Safia. On vous l'écrira de manière. Allez, on vlog un Snapchat. C'est parti! Mon kiki, je crois que c'était une photo, j'étais en mode bugué. Bugao! Barcelone puis Ibiza. Il pleut comme vous pouvez le constater. Oui, mais déjà à Barcelone il va faire plus beau. Oui, mais on s'en fiche. Et Ibiza, bon, il fait 29, c'est un peu couvert, mais à partir de 16h. Ah, bah c'est parfait, on arrive à 16h, donc 29 degrés. Ouais, oh, et c'est bien. Et demain, soleil. Soleil. Depuis tout à l'heure, Caro, elle a appuyé là. Du coup, on peut pas sortir. Parce qu'elle a empêché tout le monde. Tiling, tiling, tiling. La lumière, elle est pas bizarre dans cet appareil. Là, on est verte parce que les fenêtres, elles sont bleues. C'est pour ça. On va aller chercher notre porte d'embarquement et quand on sera moins verte, on filmera. J'ai faim. Ah ouais, on a envie de faire pipi aussi pour changer. Je vais tendre. L'instant bas. Bon, maintenant on a trouvé. Mais on est encore verte. Peut-être c'est ça qui reflète. Oh. Oh. Bon, en vrai, on n'est pas verte. Non. Je mettrai. Non. Qu'est-ce que. Ouais, on a trouvé la porte, mais on n'a pas encore trouvé où manger. Parce qu'on a vu McDo. Et on a vu que des trucs qui nous plaisaient pas trop. Bon, il semblerait qu'on soit sur la place de la bouffe. Pas bien. Mais McDo, pizza, Agendas. Où va-t-on manger? Bon, bah on a élu domicile chez Pan's.
C'est le moins pire du pire, non? C'est pareil, hein. Il y a des sandwichs partout de toute façon. Ouais. Ibiza, on arrive. Voilà. Les dés sont jetés. On n'est pas à côté. Bon, ça faisait longtemps qu'on le savait, mais qu'on le savait pas. On avait l'info, mais qu'on ne savait pas. Il est bon, ton sandwich. Oui. On a sandwiché. Des fois, ça fait du bien. Mais ce pain, il a l'air bon. Ouais. Et on s'est dévertisé parce que j'ai réglé l'appareil. Il suffisait de ça. Maintenant, on est rouge. C'est mieux. Et notre avion. On met pas longtemps à mon avis. Hein. Non, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, allez. Si tu tombes beaucoup trop bas. On a réussi à être à côté. Ça fait bien. On sait pas combien on a. C'est le truc qui turlupine Caroline. Combien de temps de vol? Faites vos pronostics dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos. Dans la barre des commentaires. Arrêtez vos pronostics, on a de l'info. 25 minutes. Il a dit 25 minutes, mais on n'est pas sûr que ce soit ça. 25 minutes, c'est 10 minutes de décollage et après 10 minutes d'atterrissage. T'es jusqu'à 5 minutes en l'air. Non, mais c'est possible, c'est vachement ok quand même. Parce que c'est un peu comme Barcelone-Barcelone. Oui. Donc c'est vachement j'ai jamais fait 25 minutes de l'avion. Non, moi non plus. Même pour aller à Toulouse, c'est même pour aller au Wallon. Non, mais. Le pied d'un bar, t'as fait dire. Ibiza pointe le bout de son nez, son museau. Oh oh oh. Paris Hilton. On met 100 ans à sortir, ils viennent chercher les valises. Il y a quelqu'un sur Insta qui a dit que cette compagnie perdait toujours les valises en connexion. Vueling. Vulving. Du coup, on va voir s'ils ont nos valises. Déjà, on va regarder comme ça. Bon, on a récupéré nos valisettes. Ça fait bizarre de revenir là après... toutes ces années. 2 ans. Non, c'était pas si longtemps, mais quand même c'est trop cool. Et puis en plus on vient pour un événement, enfin c'est juste fou quoi. Et on rabouine en attendant un taxi. Hop, voilà. Mais là vous vous rendez pas bien compte qu'il y a une queue genre de ouf malade. On verra bien si vous vous êtes rendu compte ou pas. Juste là-bas, c'est la vieille ville d'Ibiza. On avait été dans le vieil Ibiza. Mais cette fois, on n'aura pas le temps, alors on vous la vlog de loin. On vient d'arriver à l'hôtel. Oui. Et on a la chambre numéro 6. Ça, c'est un 6. Alors, regardez déjà. Ah, elle est là. C'est elle direct notre chambre? Bah oui, 6. 6. Comme un code barre. Attends. Mais ça c'est 9 hein, Caro. Ah bon? Ouais. Bah oui, regarde les chiffres. On est des bourriques. Bon alors on continue. Mais on est rez-de-chaussée, ça veut dire qu'on n'a pas de vue. Je suis dead. Mais bon, faut ce qu'il faut pour la chambre. Si. Attends, on a la chambre au fond du couloir quand même. On dirait que c'est le nom d'un film de la série. La chambre au fond du couloir. Ah voilà, là ça ouvre. Attention. Mais ça sent très bon. Ça sent vraiment le propre, par exemple. C'est une junior suite, ils ont dit. Comment ça? Mais il y a de la chambre là et de la chambre là-bas. Ouais, mais ça c'est plus un... Je me repose. Mais ça c'est plus un... Je dors. Et je me repose et je dors. Mais c'est trop beau comme magloire pour tourner une vidéo. Ouh. Hop. Ah mais il est là, ton truc de derrière là. Oui, on a repéré un spot à... Ah ouais, on est sur la rue par contre. On a repéré un spot à Je mange bien. Juste en dessous, en face, Natural Pau Flexitarienne. Petite terrasse. Moi, si j'ai une terrasse comme ça à Barcelone, je suis contente. Hein. Ouais, mais pas à côté de la rue. Mais pas à côté de la rue, ça c'est sûr. Tu arrives ?
faire pour toi. Ah oui. Oh bah c'est chouette. J'ai jamais vu une chambre comme ça. Ah, il y a un petit closet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bien la sonorité, c'est bon. Pañuelos. Et ça? Shoe shine. Bon bah voilà. Elle est cool cette chambre. Elle est chouette. Elle est vraiment biscornue, mais elle est chouette. Il y a une deuxième terrasse. Surprise, surprise. C'est super. Regarde, ils ont pensé à tout là pour mettre les trucs à sécher. Ah, je vais mettre ma serviette de bain qui est pas sèche. Peut-être qu'elle est morte. Peut-être qu'elle est morte, on sait pas. On va voir. Ils nous ont mis des bracelets moches que genre elle te le met comme un tour camping. De passe-passe. Ouais. Mais t'as vu le tour de passe-passe en plus? Genre elle te le met, elle te parle, elle t'entourloupe. Et après, tu peux plus l'enlever. Non. Mais c'est vraiment moche. Hein. Ouais. On n'est pas au camping à Palavas, les flots, les gars. Caro, elle me dit, regarde, des cadeaux. Ultimate Ears, ils nous ont fait des cadeaux. Ah bah tiens, on fait un haul. Ah, génial. En plus... Music Social. Ah, c'est cool. Continue le haul. Ah, un selfie stick. En plus, tout à l'heure, je te disais, merde, j'ai oublié le selfie stick. Trop bien. Attends, j'en ai marre d'être à contre-jour. Voilà. Génialissime. Des tongs. Des tongs. En plus, Caro, elle... c'est des Havaianas. J'ai oublié mes tongs. Mais non. Non, c'est des... Ah, c'est des fausses. Mais par contre, je crois que c'est notre taille. Hein. Ok. 7-8. C'est la taille de tout le monde, quoi. Ça, c'est quoi? De flotty fort. Ah, c'est un truc flottant pour toute le... Un gobelet? Mais non, la musique là, l'écouteur. Ah oui. Attends, mais on a tout sauf les écouteurs là. Parce qu'on les aura plus tard peut-être. Ah. Ou peut-être on les aura, ben je sais pas moi. Bon allez, moi je rentre chez moi. Hein. Mais ils nous ont ciré quoi. Ah mais c'est super. Ouais. C'est super hein. Comment je parle moi, je te jure. Ah oui, c'est ça. Ah oh, mais c'est top. Tu vois, ça c'est pour foot. Parce qu'en fait je crois que c'est waterproof hein. Oui oui, c'est waterproof. Et de vu en fait, vu que c'est waterproof, ils vont nous faire essayer plein d'activités à l'eau. Ouais. Bah, ça va être trop cool demain. Sinon c'est pas hein. C'est là, en fait. Ouais, c'est ça. Et Caro elle a dit j'ai toujours rêvé d'avoir un cadeau qui m'attendait dans ma chambre. Voilà qui est fait. Par contre, on rêve toujours d'avoir quelqu'un qui nous attend à l'aéroport avec nos blagues. Ouais. Ça c'est pas le rêve de tout le monde. Enfin, c'est pas un rêve, si. Mais c'est un truc qui fait kiffant. Parce qu'à chaque fois tu sors à faire récupérer tes bagages, tu es là. Personne qui m'attend. Tu te dis, moi y'a personne. Et là ils sont tous là avec leur pancarte ouais. Corte Inglés, Madame Dupont. Je crois que Cynthia Julie d'une fois elle était rentrée à Montréal et il y avait son père qui l'attendait avec une grande pancarte. Bravo pour tes 100 000 abonnés et tout. C'est vrai? Ouais. Oh, trop chou. Attends, je vais jouer des filles dans deux secondes. Je vais ouvrir la fenêtre. Je vais enlever ton veste. T'as pas mis de chaussettes là? Non. Mais demande à Gigi qui te prête des chaussettes moches. Viens, on filme l'intro pour la vidéo de mercredi. Bon, ça y est, on est prête à filmer. Tu t'es ravalé la façade. Et ça se voit pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, si, je me rappelle. Hihi. Ça y est, on a fini de filmer l'intro et la conclue. En même temps, c'était rapide. C'est sûr que c'est notre conclue quoi. Et là, on va sortir à la piscine du coup de l'hôtel. Hein, c'est ça. Hein. Et on va voir si la plage elle est moins moche que là-bas. Ouais. Parce que là, on est à San Antonio et c'est exactement là qu'on était il y a 2 ans. Donc c'est marrant de revenir exactement dans la même ville quoi, sur Ibiza. Mais on n'est pas passé devant notre ancienne maison. Il y a 2 ans, on avait loué un truc tout en colocation. C'était même pas Airbnb à l'époque, je crois. T'étais allée sur un site de colocation. C'était sur un site espagnol de location de trucs. Ça coûtait rien, on avait payé 200 euros la semaine pour 2. Ouais. Avec la wifi. En chambre. La wifi que genre tu mets toute ta nuit pour uploader ton vlog. Mais... Ah ouais. Quand même la ouais, wifi. C'était horrible. On a connu pire de la wifi. Hein. Ouais. Bon, on va à la piscine. Oui, je regarde juste le pot à quel heure c'est. Ouais, j'ai toujours pas de tongs. Alors, je vais mettre mes chaussures comme ça. Ça compte comme des tongs ou pas? Non, c'est des sandales. C'est des sandales. Et toi, ça compte comme quoi? Comme des tongs parce qu'il n'y a pas derrière. Ouais. Je pense. C'est ça la diff, non? Ouais, mais elles sont... Moi, je dirais quand même que c'est des sandales ouvertes. Parce qu'elles sont habillées, elles sont belles. Ouais.
Les tongs, c'est forcément. En fait, ça. Les tongs, c'est celles, tu peux les faire tomber dans l'eau, t'en as rien à foutre. Ouais, c'est... Ah, mais sinon, j'ai. Ouais, non, je vais pas. Attends, mais on est jaune. On est invisible. Ouais. Bon, on a fini la journée là, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait trop filmé aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer le vlog en deux. Coucou. Et vous verrez la suite des aventures demain sur la chaîne de vlog comme d'habitude. Et voilà, je pense qu'on va vu qu'on demain, veut filmer. T'es sûre? Ouais. Bah oui. D'accord. Vu qu'on va filmer au maximum, ben là, même demain et tout. Tous nos événements. Ben, ouais, on préfère ne pas filmer moins, filmer plus, et puis on sépare les vlogs en deux, quoi. Comme ça, vous avez pas des vlogs de 30 minutes, parce qu'on n'a pas 30 minutes chaque jour à faire foot, quoi. Enfin, j'espère pour vous. Allez, bisous.